c'était une affaire de groupe. Jamais on aurait débouché sur l'indépendance de l'Algérie. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une affaire, une lutte, c'est un combat, c'est une organisation, ce sont des convictions de tout un peuple. Pour aller faire le déclenchement de cette lutte qui était rêvée par nous depuis tant d'années, on ne rêvait qu'à ça. Donc, il fallait partir, il fallait s'organiser. C'est ce qui a fait la création de l'OSS, organisation spéciale. Mm-hmm. Elle a été créée pour ça. Cette organisation qui a été créée en 1947, elle a été créée justement pour mener ce combat de la lutte armée. Et c'est ce qui a fait que les années, il fallait se préparer, il fallait s'organiser, il fallait... Eh bien, on est arrivé de 1947, on est arrivé en 1950, 51, 52, 53, où on s'est préparé pour passer à l'action, mais il y a un événement déclencheur. Cet événement déclencheur, je peux dire déclencheur, plutôt qui a précipité l'action, ben c'est c'est l'action qui s'est produite dans notre parti, l'implosion du parti politique, du parti MTLD, PPA-MTLD. C'est cette implosion qui est due à des considérations de personnes politiques, à des considérations entre les chefs. Mm-hmm. Pour le déclenchement, pour, contre, comment et tout ça. Avec le Messali Hadj qui était le chef sur le plan national, il y avait un malentendu, un différend, il faut dire, mm-hmm. plutôt un différend entre lui et ses compagnons, compagnons du parti, un différend, non pas sur le passage à l'action armée, la libération par l'action armée ou, mm-hmm. ou pas, non, mm-hmm. sur ce plan-là, on était tous d'accord mm-hmm. que pour sortir, pour acquérir l'indépendance, c'est l'action armée contre le pouvoir colonial. Il n'y a pas une autre façon de faire. Mm-hmm. Sans ça, il n'y aura pas d'indépendance. Seulement, c'est plutôt des différents de personnes, des différents de susceptibilités de personnes qui ont conduit à ce malentendu où M. Salih Hadj réclamait les pouvoirs personnels, les pouvoirs à vie. Ouais. Ben, finalement, devant cette situation, le parti a implosé et il y avait un différend qui était entre chefs. Le différend entre chefs, le différend a atteint, touché la base et on est devenu entre nous, on se disputait entre nous, on se bagarrait, on est allé jusqu'à aller à la guerre entre nous. Alors c'est ça qui a fait que finalement Lahoul Hussein, qui était secrétaire général du parti et qui était à la fois l'homme politique et l'homme militaire, qui était chargé du politique et du militaire. Alors il a décidé, devant cette situation, si on va laisser les choses comme ça s'envenimer, il n'y aura pas non seulement le parti qui a implosé va disparaître et c'est l'ennemi finalement qui va triompher de la situation. Alors Lahoul Hussein, qui avait cette charge de secrétaire général du parti politique et qui avait la charge à la fois de l'organisation spéciale paramilitaire, c'est lui qui recevait, c'est lui qui donnait les instructions, c'est lui qui recevait les rapports de cette organisation, c'est lui qui donnait la subvention pour faire fonctionner en matériel.
Devant cette situation où le parti a implosé, il a décidé du passage à l'action armée tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel au chef de l'époque, le chef de l'organisation. Chef de l'organisation paramilitaire, l'OS, à l'époque qui était Lahou el-Houssin, Aït Ahmed qui était le chef national, après lui c'était Bembella, après Bembella c'est Bodiev. Bembella et Aït Ahmed se sont trouvés à l'étranger. Le dernier chef c'est Bodiev qui se trouvait en France pour diriger le parti politique. Lahou el-Houssin a tout de suite fait appel à lui, lui a demandé de rentrer en Algérie et de... Lahou el-Houssin a décidé de la création du CRUIA, CRUIA, Comité Révolutionnaire pour l'Unité et l'Action. Alors, il a invité Bodiev et Ben Bouleid, il les a invités les deux, il leur a dit, voilà, nous allons passer à l'Action Armée pour la Libération Nationale, on ne peut pas passer comme ça. Nous avons une organisation, nous avons un parti, il va falloir impliquer l'ensemble des militants à l'échelle nationale. Et pour cela, ce n'est pas seulement l'OS, organisation spéciale, qui peut faire ça, c'est les éléments de l'OS qui ne sont pas très nombreux, en association avec les militants du mouvement national à l'échelle nationale pour impliquer tous les militants pour le passage à l'action armée pour combattre l'ennemi. Il faut nous renforcer. Et cette organisation, c'est le CRUIA, Comité Révolutionnaire pour l'Unité et l'Action. Il a demandé à Bodiev et Ben Bouleid de se réunir avec Dakhli Bachir et Bouchbouba Mourad, qui eux étaient responsables de l'organisation politique. Il leur a demandé de se réunir, de se concerter et d'organiser l'ensemble des militants à l'échelle nationale, non pas seulement les éléments de l'OS, mais les éléments politiques à l'échelle nationale. C'est ce qui a fait que Bodiev, devant cette situation, une première réunion avec ses deux compagnons du politique, Bouchbouba Mourad et Dakhli Bachir, s'est réuni avec eux à deux reprises, et puis finalement, il y a eu un malentendu, il y a eu une mésentente. Mm-hmm. Une mésentente, alors finalement, Bodiev, devant cette mésentente, il a préféré fonctionner tout seul. Voilà comment il a fini par convoquer 16 personnes du département de Constantine, 4 personnes du département d'Alger et une personne du département d'Oran. Il les a convoqués, ça faisait 21 ou on a dit 21 ou 22, ça importe peu cette histoire 21-22. Mm-hmm. Il nous a réunis ici à Alger et alors là, Bodiev, dans cette réunion, il a pris la parole. Il a fait l'historique de ce qui est arrivé, de la situation politique dans l'ensemble. Il a dit, voilà, notre parti politique qui existe depuis les années 1920, à travers l'appellation Étoile Nord-Africaine, PPA, MTLD et tout ça. Nous sommes en 54. Maintenant, ce parti-là, notre parti, a implosé, c'est une situation malheureuse, mais on ne va pas laisser la chose se dégrader au bénéfice de l'ennemi, le pouvoir colonial. Nous allons donc tout de suite faire le déclenchement. Il a tout simplement décidé avec ses 21 personnes, il les a affectés à l'est, à l'ouest et tout ça, il a décidé du déclenchement pour le 1er novembre 1954. Voilà comment nous sommes passés à l'action armée politique contre le pouvoir colonial, non pas en organisation unie de l'ensemble des militants, mais comme ça, en quelque sorte, au pied levé, puisqu'on est pressé, il va falloir déclencher quelque chose. Ce qui fait qu'on a on n'a pas pensé à une organisation, à organiser l'action armée. On a passé ça, comme ça, au pied levé, sans ni organisation, ni pensée, ni... Voilà.
alors qu'on avait besoin plutôt d'organiser ça à l'échelle nationale avec l'ensemble des militants. On a passé comme ça à tel point que l'ennemi était persuadé de vaincre. L'ennemi, les Français, étaient persuadés. Pourquoi persuadés? Parce que les conditions dans lesquelles on est passé à l'action, ils ont conscience, ils ont vu, ah tiens, mais c'est seulement à tel point, à tel endroit, mais ce n'est pas à l'échelle nationale. Donc ils étaient conscients, ils savaient que nous étions passés à l'action d'une façon désorganisée. Le contraire de leur non-pensée, non, d'une façon désorganisée, on est passé à l'action. Alors le pouvoir colonial était persuadé qu'ils allaient encore finir par nous combattre, par nous éliminer. Mais de notre côté, nous, les convictions étaient beaucoup plus fortes dans l'ensemble, dans l'ensemble chez le peuple et chez chaque militant, c'est pour soi. Tout à l'heure, j'ai dit que ce qu'il fallait, il fallait jeter la révolution dans la rue, elle sera reprise par le peuple, c'est ce qui s'est passé. On a jeté la révolution dans la rue, sans l'organiser, sans bien penser, sans bien réfléchir. Même entre nous, quand il suffit que quelqu'un dise telle ou telle chose, non, on ne l'écoute pas et on passe à l'action. Ben voilà, on est passé d'une façon désorganisée et on a réussi. On a réussi tout simplement parce que grâce à ce peuple magnifique qui avait des convictions très fortes et qui était prêt pour le combat, et c'est ce qui nous a encouragés. Nous étions aussi convaincus que malgré ces désorganisations, nous allons gagner.